Salut à toutes et à tous, c'est Wolfrin117 et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de combat Risteel. Alors, en réalité c'est un film, hein. Donc je vous conseille de le voir parce qu'il est quand même très bien. On va faire un match. Alors, enfin, le but du jeu, bah, comme tous les jeux de combat, c'est de mettre KO son adversaire. Alors moi, je suis l'homme en jaune. Enfin, je suis Midas. Et en bleu, c'est un ordinateur. C'est pas un joueur. Putain, mais tu fais chier, toi, laisse-moi causer un petit peu. Tiens, enculé. Ouais, donc quand ton power descend, tu ne peux plus te battre. Donc c'est chiant. Donc c'est un petit jeu, tu vois, c'est pas un jeu qui est sorti. C'est pas un jeu, c'est-à-dire sur CD console. C'est un jeu téléchargeable, indépendant, d'arcade. C'est un jeu très sympa, parce qu'il y a plusieurs possibilités de finir ton ennemi. Oh, mais tu me saoules! Retourne-toi ta mère. Il va me saouler. Et je vais lui en foutre une. Il va rien comprendre. Ouais, vous avez aussi un schéma. Donc quand ça devient orange, c'est que c'est dangereux. Pour votre robot. Voilà. Donc, peut-être que je ferai des parties multijoueurs sur ce jeu, je ne sais pas encore. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'ai une étrange maladie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, mais j'ai une maladie assez étrange en ce moment. Et je vous la dirai une autre fois. Enfin, si je la trouve, bien sûr. Bien sûr, c'est pas moi qui choisis le niveau de difficulté, alors je sais pas comment ça se fait qu'il est aussi costaud, quoi. Voilà, bien sûr, je l'ai défoncé, mais voilà. Bon, je vais le reprendre. Tu vas me saouler.
Ouais, donc avec une certaine touche, je vais faire une cinématique là. Moi, c'est un coup de boule. Après, certains personnages ne font pas la même chose. Hein. Regarde ce connard qui me fout dans le coin, quoi. Putain, l'enculé. Regarde-moi ce connard. Voilà. Ouais, donc c'est un jeu aussi très simple, hein. C'est très maniable. Enfin, le jeu est très facile à prendre en main. Si vous avez une Xbox, bah, vous pouvez prendre la démo. Moi, j'ai la démo, hein, personnellement. Pour deux personnages en plus, j'ai pas vraiment envie de l'acheter. Bon, ok, il y a peut-être plus de cartes, mais voilà. Moi, je m'en fous de la carte, c'est tous les mêmes. Enfin, ça, c'est tout. C'est toujours dans le même monde, quoi, alors. C'est débile. Encore, la musique changerait. J'aurais bien pris. Sauvé par le gong, cet enculé. Ouais, donc je vais vous faire montrer quelque chose, moi, vous allez voir. C'est un truc que j'adore faire dans ce genre de jeu. Parce qu'il faudra bien se relever, parce que s'il se relève pas... Bah... Ouais, il va pas se relever. Bon, je vais réessayer. J'espère que j'y arrive. Ok, bon, ça c'est fait. Vous avez vu toute la vie que je lui ai fait enlever? Oh, tu vas te détendre. Voilà. Bon, désolé si vous entendez le bruit de la manette, hein. Je n'y peux totalement rien. Voilà, dans ta gueule. Ah voilà, parfait. Putain, fait chier, j'ai pas envie de lui faire mal à sa tête, c'est ça le problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais vous le faire montrer, sauf que cet ordinateur à la con là, il est même pas capable de me résister 30 secondes. Ah. Voilà, regarde-le quoi, il faisait rien. Ce mec c'est un gros teubé du slip. Allez, allez, on va pouvoir le faire, on va pouvoir le faire. D'accord.
S'il te plaît, relève-toi, 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 la bâtard, pas. Tu vas voir, s'il te plaît, il va pas se relever. Ah, si. Je dis, s'il se relève pas que maintenant. Ah, voilà. Vous êtes prêts? Ah, merde. Bon, je lui ai arraché son bras. Si vous avez bien remarqué. Logiquement, c'est remarquable. Mais avec ce personnage-là, avec tous les personnages, il y a une cinématique. Et pour pouvoir la faire, en fait, il vous faut le boost d'attaque. Et à un moment, en fait, je vous ai expliqué la cinématique de bonhomme que j'ai pris. Il met le bras de son ennemi sur son épaule. Après, il met sa main, il lui coupe au niveau de l'épaule, son bras. Et après, il lui donne un coup de pied, il le pousse par terre. Après, tu peux aussi lui arracher la tête. Lui, il lui faut un gros uppercut et sa tête, elle vole. Bon, je vais regarder à combien de temps on est. Ouais, bon. On va faire un dernier match avec un autre personnage. J'aime bien le perso que j'ai pris aussi. Ce perso-là, celui que je suis en train de combattre, je l'aime pas vraiment parce que, de une, je sais pas depuis quand tu te bats à la boxe avec un marteau. Et de deux, dans ta gueule, elle est moche. Ouais, donc ça, c'est une cinématique que j'aime bien chez ce perso. Ah ouais, lui, mais regardez ce qu'il fait, quoi. Trois coups de marteau à ta tête et le quatrième il te le fout dans la face quoi. Ce que j'aime bien c'est son Superman ça là. Tiens. Alors pourquoi je spamme la même table d'après vous? Parce que lui il fait ça aussi. Hein. Bah pratiquement. Il fait souvent la même touche en fait. En fait, je fais ça, c'est pour lui affaiblir la tête au maximum. Vous comprendrez pourquoi je lui fais ça à ce pauvre. Parce que Noisy Boy, il peut lui arracher la tête, mais d'une façon hyper classe. Ça, paye ton accent anglais. Bon. Ah oui, par contre, ce qui est cheaté sur ce gros porc à marteau, c'est que lui, il résiste aux petites attaques. Donc en fait, quand tu lui fous une grosse attaque, il peut pas attaquer. Mais quand tu lui fous une petite, il s'en latte les couilles. Bon, par contre, lui, hein, il te fout une attaque, c'est toujours des grosses pratiquement. Les petites attaques chez ce mec, ça n'existe pas. Oh le spammer. Non, t'es sérieux, je viens de te niquer la tête. Oh. Ouais, donc il y a un système de réparation de tête et tout ça. Moi, il m'a rien cassé, alors. Allez, de la merde. On y retourne. Bon, si je peux pas vous le faire montrer sur un ordinateur, c'est plus facile de vous le faire montrer sur un joueur. Les joueurs comme Bassist Pant 2 Remix non Bassist Pant 2 TIOU Remix Wow, c'est plus facile de lui défoncer des membres qu'avec un ordinateur. T'as intérêt à te relever. Bon ben voilà, je vais niquer sa face. Bon.
Bon bah c'était Wolfrin 117, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettez un like et surtout ben abonnez-vous. Ciao.